Surpris par... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La nuit. C'est rare le regard d'un homme qui soit très large, tu vois, et que j'ai envie moi aussi de... d'aller vers lui et d'aller... de lui donner. Rien à voir. Une émission mensuelle de cinéma par Hélène Frappin. Lundi 7 janvier 2008. Donne-moi tes yeux. Prima la musica. Dopo le parole. Depuis bientôt 6 mois que j'ai l'avantage et l'honneur de vous adresser la parole, je pense beaucoup à vous. Beaucoup plus que peut-être vous ne l'imaginez. Et chaque fois qu'il m'est arrivé de vous parler, tandis que je vous parlais, je vous voyais, je finissais vraiment par vous apercevoir. Et ce qui m'obsédait, c'était vos yeux. Oui, ce sont vos regards qui m'occupent, car je me demande à quoi vous pouvez bien les occuper. Je ne vous vois pas les yeux fermés. Je ne m'imagine pas que je parle à des aveugles provisoires, bien que je sois alors un sourd momentané. Non, je vous vois les yeux ouverts avec un regard errant, inemployé, presque inutile. Qu'est-ce que t'as, Delphine? Ça va pas? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Figure-toi, Caroline m'a prévenue hier soir qu'elle partait plus en vacances avec moi. Ah. Et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je sais pas. Bah, tu pars avec quelqu'un d'autre? Bah non, je pars avec personne. Enfin, pour l'instant, je pars avec personne. Bah, tu vas bien trouver quelqu'un, quand même. D'ici à 15 jours. T'es forte, toi. Mais si, tu peux quand même trouver des gens en 15 jours, quand même. Mais qui c'est, quel genre? Je sais pas. Bah... Tu parles avec quelqu'un, toi? Bah, je parle avec Antoine. Écoute, il y a un type qui aimerait bien partir avec toi. C'est qui? Eh bien, il te propose des vacances dans une grande maison. C'est qui? Raoul. Raoul, t'es pas bien, tu tombes sur la tête, Raoul. Bah, écoute, il est charmant, Raoul, quand même. Et bah, pars toute seule. Rien ah, dur, les vacances, toute seule. Bah, écoute, tu rencontreras bien des gens là-bas. Mais où, là-bas? Non, je sais pas, tu te rends pas compte. Je sais pas. Tu pourras aller chez ma grand-mère en Espagne. Nouvelle idée, ça. Sans rire. Écoute, elle a une grande maison au bord de la mer. Elle peut te louer une chambre. C'est dans une ville? Dans un petit village. Mais... Faut réfléchir, hein. Enfin, l'Espagne toute seule. Tu seras pas toute seule, en fait, il y a plein de touristes. Je suis pas une aventurière. Eh bien, justement, cette année, tu essayes. De toute façon, c'est jamais quel garçon va te plaire. Tu vois celui-là? Eh bien, celui-là, il devrait te plaire, il est très beau. Il est un peu sale. Bon. Mais il est magnifique. Regarde. Beau mollet.
Chacun doit aller au bout de soi. Les gens qui vont pas au bout d'eux-mêmes sont comme les Versaillais qu'encerclent les gens qui vont au bout d'eux-mêmes. Les gens qui vont au bout d'eux-mêmes sont forcément encerclés, ils sont forcément agressifs. Qu'est-ce qu'on entend par parole ? Samedi 17 novembre 2007, dans la grande salle de la Cinémathèque de Bercy, a eu lieu un événement passé étrangement inaperçu. À l'invitation d'Alain Bergala, qui organisait deux journées sur le thème de la puissance de la parole, Éric Rohmer était invité à s'exprimer et à montrer des extraits de films. Qu'est-ce qu'on entend par parole ? On distingue souvent, les linguistes ont parfois distingué la parole et le langage. Et le dictionnaire dit la parole peut s'exprimer soit par la phonation, soit par l'écriture. Ça veut dire qu'il n'a pas fallu attendre le cinéma parlant pour que la parole entre au cinéma. Et il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de textes, c'est-à-dire, dans les films muets. Et dès le début, en particulier avec Griffith. Et de sorte qu'on peut dire que le cinéma de Griffith est un cinéma parlant. Et en même temps, j'ai toujours soutenu contre les gens qui disaient que ce n'était... Certains ont dit de mes films que c'était des pièces radiophoniques, ce qui m'avait indigné. J'ai répondu non, je suis un cinéaste muet. Alors voilà, je pense qu'il faut bien préciser ces choses-là. La parole, ce n'est pas forcément le son. Alors, qu'est-ce que le langage du cinéma ? Alors, j'ai tué quelqu'un, enfin, j'ai toujours soutenu cette théorie, qui est assez paradoxale d'ailleurs et provocante, qui est le cinéma n'est pas un langage. Contrairement à ce que disaient par exemple des gens comme Bresson, ils ne disaient pas le langage, ils disaient le cinéma n'est pas un spectacle, c'est une écriture. J'ai toujours dit que le cinéma était un spectacle. Et qui est le premier, si vous voulez, qui a parlé de langage photographique, enfin, je ne sais pas s'il en a parlé, mais on en a parlé à propos de lui, c'est Chaplin. Et effectivement, il a essayé, dans un de ses films dans lequel il ne paraît pas, un film qui n'est pas comique, qui n'est là que par moment, l'opinion publique, de supprimer ce qu'on appelait les sous-titres, qu'on appelle maintenant les intertitres. Et il a été imité, en particulier par Lubitsch, et je sais que l'exemple qu'on donnait de mon temps, de ce langage photographique, c'était l'éventail de Lee Wintermeyer, qui je crois une pièce de théâtre, et qui effectivement, bien qu'elle soit une pièce de théâtre, effectivement essayait de se passer le plus possible de l'écriture. Alors, pourquoi suis-je contre le langage photographique ? Parce que je trouve que c'est un langage extrêmement pauvre. Et je pense que le but du cinéma, profond du cinéma, ce n'est pas tellement d'apporter un langage, c'est-à-dire de dire par les images ce qu'on pourrait très bien dire par la parole. S'il y a des choses à dire que la parole peut exprimer, pourquoi pas ? C'est d'exprimer une chose que la parole ne pourra de toute façon jamais exprimer et qui n'est pas de l'ordre du langage, qui en fin de compte serait plutôt d'ailleurs de l'ordre du spectacle. Je vous présente. Philippe, mon fils. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, arrête-toi maintenant, ton père va rentrer.
Monsieur Andrieux, Madame de Caux, ma belle-mère. Mes hommages, madame. Jacques Perrand, l'associé de Paul de Cour. Bonjour, enchanté. Voici sa femme, Anna. Mes hommages, bonsoir. Vous buvez quelque chose? Je vous en prie. Je... Oui, merci. Porto, whisky? Whisky. Sec? Oui. Merci. Pardon, merci. Merci. Charmante ville, Quimper. Hein? Un peu calme. Surtout en hiver. En été, ça peut aller. Oui, mais c'est encore au printemps que c'est mieux. Les environs sont très agréables. Les champs se couvrent de fleurs. Notez qu'au printemps, ça arrive souvent. L'automne aussi est charmant ici. Oui. Oui. Lors de mon dernier passage en automne, justement, les teintes étaient des jaunes, des rouges, des... Oui, des mordorés. Oui, des bleus. Très beau. Vous habitez Paris habituellement? Oui. C'est plus animé qu'ici. Ah oui. Oui, un peu trop à mon goût d'ailleurs. Oui, nous y sommes passés il y a 3 semaines, avec mon mari. La circulation devient impossible. Oui, surtout aux heures de pointe. De la Madeleine à la Porte Maillot, 2 heures. C'est fou, non? C'est fou. Ah, sans compter le bruit infernal. J'ai lu dans un rapport de la préfecture de police qu'il atteignait je ne sais plus combien de décibels entre 6h et 8h du soir. Ah oui. Et la pollution atmosphérique? Il paraît que c'est un véritable problème national. Oui, et même international. On se demande comment tout ça va finir. Ah oui? Oui. Je vois beaucoup de jeunes. Ils sont très angoissés. Vous avez eu un bel été? Non, ne m'en parlez pas. Dégueulasse. Non, tous les touristes fuient en Espagne. Ça a été catastrophique pour l'hôtellerie. Notez que le temps n'est pas seul en cause. On l'accuse un peu vite. Le soleil brille ici comme partout. Oui. Bah, croyez-moi, les pouvoirs publics ont une large part de responsabilité. Ça c'est... Toute la politique des investissements est à reconsidérer. Je ne sais pas dans quelle partie vous êtes, monsieur. Bon, j'écris un peu. Ah, bien sûr, je me disais aussi. Rappelez-moi votre nom. Marc Andrieux. J'ai lu votre dernier roman chez... comment s'appelait-il? Beaucoup aimé la fin. Vous savez, quand la vieille bonne, à moitié aveugle, se précipite dans la maison en flammes. Non. Oh non. Non, vous devez faire... Non, vous devez faire erreur. J'écris des contes pour enfants. Ah bon? Oui. C'est merveilleux. Oui. Vous buvez un autre verre? Non, merci. Merci, il est très bon, mais je vous remercie. 15 ans d'âge. Je voulais vous demander... Que pensez-vous du nouveau roman? Il y a des gens qui s'ennuient. Moi, je trouve que c'est quand même une tentative intéressante pour renouveler des formes qui ont fait leur temps, non? À réconcilier le temps et l'espace, si on peut dire. Vous ne trouvez pas? Si. Oui, quand même, oui. Nathalie Sarraud, Butor, Rome Grillé, même Gégouf, on aime ou on n'aime pas. Hein? Mais ça va quand même loin. Ah oui, ça va très loin, oui. Oui, en effet, oui. Voilà Paul. Voilà quelle est ma position cinématographique et qui a été celle de toujours, qui a été celle de du premier article que j'avais écrit, dans lequel je disais d'ailleurs d'une façon un peu, je crois que, enfin ça n'aurait pas pu à l'anglois, je sais pas, parce que Truffaut a repris la même idée et puis a fini enfin. Pour faire un article assez sévère contre... Oui, contre la cinématographie. Oui, il y a eu un article dans une petite revue du Ciné-Club dans lequel Truffaut accusait la Cinémathèque de ne pas passer certains films de Chaplin. Oui. En fin de compte, il y avait une question de droit. Enfin, il y avait interdiction de par Chaplin de les passer. Bon, enfin, donc, nous étions mal vus à la Cinémathèque jusqu'au moment où sont sortis les films de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire en particulier... C'est les Cassancou, qui a beaucoup admiré Langlois et qui a soutenu les films de la Nouvelle Vague, et en particulier le mien, Le Signe du Lion, qui allait être coupé en morceaux et qui finalement a pu être
conservée grâce à son intervention. Eh bien, là... excusez-moi, j'ai cette digression m'a écarté un peu de mon sujet. Oui, c'est Chaplin. Par conséquent, on a essayé de se passer de l'écriture. Il y a de très grands cinéastes que l'on fait, comme Murnau, par exemple, dans Le Dernier des Hommes. En fait, vous le savez tous. Et aussi dans Tabou, où tous les titres sont justifiés. C'est-à-dire, ce sont des choses qui apparaissent dans le décor du film, si vous voulez. Ils ne sont pas hors du film, ils sont dans le film. Je pense que cette querelle, d'ailleurs, maintenant, est dépassée et qu'on peut très bien employer dans des films des choses qui ont parfois été proscrites, enfin, à condition qu'on n'abuse pas, comme le commentaire, oui, que j'ai employé même dans ce dernier film, mais au compte-gouttes. Et puis, également, les titres, les cartons, qui donnent des indications qui sont évidemment peuvent être transmises extrêmement rapidement et élégamment, si vous voulez, mais par le langage codé, en fait, par la langue, la langue française ou d'autres langues, mais qui le serait de façon beaucoup plus lente et beaucoup plus lourde si on essayait de suggérer par les larges. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à penser à ces choses-là. Je peux citer un cinéaste dont je ne suis pas forcément l'admirateur, enfin, bon, que je respecte, mais enfin, bon, je lui ferai beaucoup de reproches de cette façon. Bon. Mais enfin, sur ce point, nous étions d'accord. Il a tourné avec Lester Amedros son meilleur film, d'ailleurs, qui est La bouche ouverte. La gueule ouverte. Eh bien, il disait sans arrêt, ne faisons pas ça, ça fait cinéma. Bon. Eh bien, moi aussi, c'est ça, j'évite ce que, dont on peut dire ça fait cinéma. J'évite aussi ce que peut dire ça fait théâtre. Prima le parole, dopo la musica. Quand j'étais écolier, si vous voulez, j'ai écrit quelques vers qui étaient très mauvais. J'avais même esquissé une tragédie sur la conjuration de Catilina, mais enfin, je n'ai fait que deux vers. Mais je me souviens d'un seul. César disait Alexandre à mon âge avait conquis l'Asie. Puis après, je ne sais pas ce qu'il dit. Bon. Ensuite, alors, je m'étais amusé à écrire des petites choses drôles. Et en particulier, j'avais fait une petite scénette, j'avais écrite, enfin, ça n'a pas été joué, effectivement, qui racontait. Parce qu'à cette époque, je suis du pays du rugby, je suis qui mettait en scène les professeurs qui étaient des joueurs de rugby, enfin, étaient des joueurs de rugby du tout. Et par hasard, j'ai relu il y a quelques années ce texte et je me suis aperçu que j'avais le sens du dialogue. Enfin, je pense qu'on aime le dialogue, on ne l'aime pas. Il y a beaucoup de gens de cinéma qui n'aiment pas les dialogues, enfin, qui ont difficulté pour les dialogues. Et dans ce cas-là, ils font appel à quelqu'un d'autre. Non, j'ai aucune difficulté, au contraire, j'aime écrire des dialogues, et c'est pourquoi je ne fais appel à personne. J'avais essayé de voir si on ne peut pas faire un film avec Isabelle, je m'étais aperçu que je n'y arrivais pas, mais j'ai jamais essayé de faire des films avec, jusqu'à 10 ans plus tard, avec les Contes Moreau. On oublie quelque chose, c'est qu'entre le roman d'Elisabeth et les Contes Moreau, j'ai fait autre chose, et en particulier j'ai fait Les Signes du Lion, qui est un film qui est très peu dialogué, donc c'est pas tout de suite que l'idée des Contes Moreau m'est venue. Il n'y a rien, l'histoire est tellement simple, il n'y a pas besoin de suggérer des concepts, si je puis dire. C'est un film d'image. Non, c'est pas un film de langage. Non, si j'ai pensé au Conte Moreau, c'est parce que j'avais de la difficulté à trouver des sujets. Bon, et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver des sujets. J'en ai trouvé quand même. Bon, et après tout, je suis content, je n'ai pas eu besoin d'en trouver davantage. Mais enfin, au moment du Signe du Lion, je voyais que mes camarades également avaient des difficultés pour trouver des sujets. C'est que Truffaut, par exemple, ils ont fait des films personnels, c'est-à-dire raconter leur vie, ce dont je n'avais pas envie, parce que le Signe du Lion, bon, c'est même vrai qu'il peut raconter certaines choses que j'ai vécues, c'est-à-dire la fin, parce que ma génération a quand même connu la fin. On m'a dit que mon film ressemblait au roman de Knut Hamsun qui s'appelle La fin. Oui, c'est certain, c'est un rapport, mais je n'avais pas lu ce roman. Bon, enfin, La fin, tous les gens qui ont vécu pendant l'occupation savent ce que c'est. Bon. Et ensuite, le fait de ne pas être forcément clochard, mais de manquer
enfin, d'avoir la bourse garnie. Bon. Mais à part ça, je me suis inspiré aussi d'autres personnes, en particulier de celui qui a signé les dialogues sans les avoir écrits d'ailleurs. Mais enfin, je lui ai demandé de les signer parce que le personnage lui ressemble assez. C'est Paul Jégoff qui a été ensuite le scénariste de Chabrol. Bon. Alors après le signe du nom, je me suis aperçu mes camarades, en particulier Truffaut, qui après les Cassincourt ne tirait pas sur le pianiste. Ensuite Godard. Donc Godard a fait tout de même Le Petit Soldat qui est personnel. Mais ensuite, il a fait Fermitium, si on veut. C'est une histoire qui n'est pas de lui. Hein. Et puis ensuite, il mépris, etc. Bon. Enfin, j'ai vu qu'il s'inspirait d'œuvres d'œuvres littéraires. Et je me suis dit, après tout, pourquoi s'inspirer d'œuvres littéraires ? Et eux, non, j'avais jamais écrit de roman. Alors que moi, j'ai tout de même écrit des amorces de romans. Et dans ce cas-là, j'ai au moins cet avantage sur eux, si vous voulez, d'avoir des sujets. Et alors, pourquoi pas ces sujets-là ? Effectivement, ce sont des sujets qui sont très ingrats, qui ne sont pas cinématographiques. Mais précisément, ce qui est intéressant pour moi, ce qui est intéressant pour le cinéma maintenant, c'est de traiter des sujets qu'on n'a pas pu traiter jusqu'ici. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans Les Contes Moraux. How do you do ? How do you do, Mrs. Baker ? Dr. Bengard will be a little bit late. I hope you don't mind. Ugly. Ugly. Aren't they ugly? Who? People. Is there anything uglier than the human face? Ah. You mind if I smoke? Not at all. Smoke yourself? Yes. You haven't got a cigarette, eh? Yes. To bother you again, but what does one have to do to be happy? I think Dr. Vanguard would know more about that than I. More than you, Mrs. Baker? Oh, that article. You know, Mrs. Baker, this is the first time in my life I've ever met a really happy person. It seems to irritate you. No, it makes me curious. I've often wondered what it would be like to be happy 24 hours a day. Must be wonderful. One gets used to it. In the morning, you are awakened by the twitter of a little bird. Before breakfast, you and Mr. Baker dance a minuet. Then the happy breakfast starts. You are happy. Mr. Baker is happy. The eggs are happy. The hens who laid the eggs are happy. Now, look here. My presence seems to annoy you, so I think I'll leave. No, I'm sorry, Mrs. Baker, but if you feel that way, naturally, it is I who'll go. Oh, no. I'm afraid you need the doctor more than I. Are you sure, Mrs. Baker? You see, that's an interesting question. We're both here for the same reason, happiness. One has not enough, one has too much. Who needs the doctor more? Now, that's interesting, isn't it? Rather, but I don't like to discuss it. Yes, I understand, Miss Baker. Well, I'm very happy to have met you. I'm very sorry if I've offended you. Goodbye, Miss Baker. Goodbye. Oui. Oh, just a moment. Yes? May I ask you one question? Certainly. Yes? What's wrong with that picture? Are you really interested? Yes. Sit down. Now, this artist saw no more in that tree than the camera which photographed the happy Mrs. Baker. It's only the surface. Art goes much deeper. You see, if I were a painter and I were to paint you, I don't know what the picture would look like. It wouldn't look like that photograph. Do I make sense? Yes. Quite a bit of sense. Alors vous allez voir maintenant ce que j'ai de mieux ici. Attention, une, deux et trois. Les moments où je parle est déjà loin de moi. Ou plutôt, cette fois-là, on devrait commencer à parler du moment où l'on pense, qui est toujours loin
de soi-même. Et cela a à voir beaucoup avec, je crois, les paroles, les mots, mais la parole dans les cinémas. Et la parole dans les cinémas a toujours été envahissante, surtout dans les cinémas muets, silencieux, silent movie, comme on le sait. Et pas seulement pour les cartons, mais parce qu'il y avait énormément de paroles et des mots dans la salle, comme il y avait les gens qui lisaient les cartons aux gens qui ne savaient pas lire, il y avait des commentaires tout le temps. Il n'y a jamais eu un cinéma si parlé comme le cinéma silencieux, un peu comme la télé, qui par ailleurs, au contraire, elle est reconnue, et c'est encore une fois injuste comme le domaine de la parole, des mots, du discours parlé. Et au contraire, ça suffit de voir, d'enlever les sons, quelquefois, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, c'est encore mieux, et on voit se déployer le contraire de ça. On voit se déployer ce que c'est finalement le cinéma ou l'articulation par image, c'est-à-dire une accumulation, une immense accumulation de paroles où il n'y a pas un langage qui les articule. Il y a peut-être une sorte de langue qu'on ne connaît pas. Et c'est vraiment à nous de dénicher les différents statuts, les différentes substances de la parole. Et parfois, ça suffit un mot écrit, inscrit dans le noir pour faire passer des millions d'années. Je pense évidemment à 2001, l'Odyssée dans l'espace de Stanley Kubrick. Mais en général, je pense que les mots, non pas les mots, la parole dans le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui appelle nos yeux, encore plus que ce qu'on on définit un peu simplement, sans rien en savoir, l'image. C'est-à-dire, s'il y a des paroles prononcées ou écrites, c'est une sorte de vraiment inscription violente dans un flot de paroles, et on ne peut pas rien dénicher si on ne part pas de l'immense abstraction que c'est justement l'image en soi-même. C'est-à-dire, je me rappelle que Antonioni, 2-3 fois, s'était étonné, s'était montré étonné et par les remarques des critiques et aussi par les blagues des gens qui voyaient ces films genre La Nuit ou encore mieux Identification d'une femme, et parce que les gens riaient en entendant les dialogues, en entendant des morceaux de dialogue. Les très fameux, très connus « J'ai mal aux cheveux » de Monica Vitti et plusieurs phrases dans l'identification d'une femme. Alors il disait « Mais moi j'ai tout enregistré. Pour l'identification d'une femme, j'ai enregistré des phrases dans le bus en cachette. Et comment... C'est absolument vrai. Et alors les gens ne reconnaissent pas ce qui est vrai. Bon, c'était une sorte de fausse ingénuité, et exactement comme le mot, comme la phrase « j'ai mal au chevet », que c'est assez facile de l'avoir entendu ou de l'entendre, mais c'est justement trop concrète. La voix et les mots et la parole ne collent pas avec la hyper-violente, l'absorption hyper-violente qui est l'image en soi, en soi-même. Alors, si on part d'une sorte de naturalité de l'image, et de la vérité des images, un peu bêtement, on n'y comprendra rien. C'est-à-dire que quand on dit « donnez-moi vos yeux », on dit toujours « donne-moi mes yeux », c'est-à-dire « rends-moi mes yeux ». C'est une sorte de transport vers la subjective
impossible qu'il y ait chaque prise de vue, justement, et j'utilise justement le mot, l'expression prise de vue, pendant que la voix, c'est toujours la voix des autres. Alors la voix, c'est comme si était toujours la voix des autres, on ne la reconnaissait jamais. L'image, c'est toujours une sorte d'image vue par nous, et alors on fait semblant de la reconnaître. Je pense que ce sont des différentes méconnaissances, et c'est ça la fascination de la voix au cinéma, son économie improvise qui tranche, qui coupe, qui change l'essence de ce qu'on imagine être une image, mais en même temps, dans l'image, il n'y a vraiment enseveli que des mots. Alors, c'est la fascination de voir, au contraire, des gens parler pendant des heures, ne faire autre chose que parler. Dans ces cas-là, on ne filme pas un dialogue, on filme la voix. Ça devient... on perd très rapidement l'essence, ça devient une sorte de musique, une sorte de bruitage, et c'est justement ça les sommets. Je pense une autre opposition entre le travail sublime de Daniel Huet et Jean-Marie Straub, qui donne souvent l'impression de filmer la voix, hein, qu'elle soit dans les champs ou hors champs. Au contraire, le travail apparemment très matérialiste de Michael Snow dans Ramos Nephew, le neveu de Ramos, où on filme la bouche qui parle. Bon, et on est tout près de l'émission, de la voix, de la matérialité. Et on croit être près de la source. Dans les deux cas, on n'est pas du tout près de la source. Dans un cas, on est en face de l'énigme, c'est une voix. Une voix tout à fait, pas du tout orientée dans l'identification, je parle de Straubuyer, une voix très distante de la conversation normale, hein, des accentuations normales. Et de l'autre côté, il y a cette illusion de la voir en face. Alors, la voix est toujours hors champ, et c'est justement la voix, ce sont les mots qui nous rappellent que l'image aussi, c'est peut-être leur champ absolu par rapport à, bon, la chose, si on y croit vraiment. Le moment où je pars est déjà loin de moi. Prima le parole, dopo la musica. Prima la musica, dopo le parole. Ton und Wort sind Bruder und Schwester, ein gewahrter Vergleich. Mes films sont des dialogues. Il n'y a très peu d'autres notations. Il y a très peu. C'est assez schématique parce que les actions sont décrites de façon tout à fait schématique. C'est ça. Et le découpage, je ne le fais que au moment du tournage. Oui. Alors cette innocence, oui, effectivement, l'innocence des images. Oui. Enfin, je crois que j'ai appris encore plus jeune. Alors ça, c'est ça. J'ai l'impression que ça me vient de la Comtesse de Ségur, qui est un écrivain pour lequel j'ai une grande admiration. Je trouve que c'est un très grand écrivain et d'une invention extraordinaire. Et puis, il y a un livre d'elle qui, effectivement, est déjà du Dostoïevski et qui s'appelle La sœur de Gribouille. C'est du Dostoïevski avant la lettre. Et hélas, je dis hélas parce que, entraîné par un ami, enfin, qui est un peu imprudent, si vous voulez, je m'étais lancé dans un tournage, mais avec... sans avoir bien préparé, dans un tournage d'un roman de la Comtesse de Ségur qui est le plus ingrat et qui est le plus
le moins aimé à l'époque, enfin, qui était le plus critiqué et qu'on empêchait les enfants de lire, qui étaient les petites filles modèles. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait un mouvement très violent contre la cause de Ségur, dont on aimait uniquement le côté pervers, si vous voulez, qui n'était pas chez elle, je pense. Enfin, bon. Et à ce moment-là, je me suis lancé dans ces petites filles modèles, qui sont beaucoup plus subtiles qu'on peut s'en rendre compte à une première lecture. Bon, ça a été raté, le film n'a pas été terminé. Bon. Mais enfin, j'en parle parce qu'effectivement, moi, je dois dire que c'est une personne qui m'a inspiré. Chez Dostoïevski, j'ajouterai chaque année à Ségur parce que c'est elle que c'est le plus fort. On est au présent. Or, le présent, c'est le temps du cinéma. Parce que même le cinéma est au passé, il y a une relation avec le présent. Ça. Être au présent, c'est-à-dire être dans tous les détails, si vous voulez. Par exemple, dans les films actuels, hein, surtout, je remarque beaucoup, de plus en plus, dans le scénario, si vous voulez, les scènes sont là uniquement pour indiquer, pour informer de certaines choses. Mais pas pour montrer le détail de l'action. Bon. Alors, ce détail de l'action, bon, il est montré dans on le voit bien davantage dans Balzac, avec description. C'est peut-être pas chez lui qu'elle est le plus, mais enfin, tout de même, il y a tout de même une description de la façon dont les gens se tiennent, si vous voulez. Elle est très nette encore dans Dostoïevski. Elle est extrêmement nette aussi. Je continue dans La Comtesse de Ségur. Mais elle n'est pas dans le roman dans Honoré de d'Urfée. Ben, on peut signaler qu'un personnage rougit et pâlit, mais on ne sait pas très bien quelle position ils ont les uns par rapport aux autres. Alors que dans La Marquise d'O également, eh bien, c'est très précis. Dans La Marquise d'O, il y a énormément d'indications de scène. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que Kleist était un homme de théâtre et qu'il a surtout écrit des pièces de théâtre. Chartreuse, mon amour. Tu en veux un petit peu de vin? Non, j'en ai pas besoin. Merci, non, j'en veux pas. Eh ben moi, oui, figure-toi. Quand on offre de quelque chose à quelqu'un, généralement, c'est qu'on en veut soi-même. Qu'est-ce que tu as d'autre? Qu'est-ce que tu lis? L'histoire de la bonne femme à qui on avait volé son émeraude. Ah oui. Et tout de suite, on avait soupçonné la femme de chambre, naturellement. Et c'était pour elle qui avait fait le coup? Si. Le cinéma ignoré. Oh. Qu'est-ce que j'appelle le cinéma ignoré? Ce cinéma de Guitry? Et au-delà de lui, un cinéma qui, en conséquence, ne serait pas à sa juste valeur connue, reconnue et célébrée. L'équivoque provient du sens double, de la double acception du terme « ignorer ». Puisque, d'une part, on peut ignorer une chose dont on ne connaît ou soupçonne pas l'existence, ou la non-existence, ainsi de la femme qui ignore que son mari la trompe depuis des années, ainsi du petit enfant qui ne se doute pas que les jouets déposés dans ses souliers la nuit du 25 décembre ne le furent pas par le Père Noël. Pierre Lost présente
Sacha Guitry dans Les 100 merveilles. Auditoires innombrables, invisibles et divers, je vous donne rendez-vous à la page 132. Et utilisant au mieux le temps qu'il vous faut pour vous y rendre, je vous adresse à tous mes vœux de bonne santé. Nous voilà réunis devant une œuvre rare, quelque peu singulière. Certes, c'est un tableau, un ravissant tableau, mais avant tout, c'est un trompe-l'œil. Or, les trompe-l'œil, pour bien des gens, ne sont pas considérés comme de la peinture. Et ce nom qu'on leur donne acquiert un sens péjoratif qui les distingue et qui, quelquefois, les déclasse. Il faut avouer d'ailleurs qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de les accrocher au mur parmi d'autres tableaux. Il convient donc de les isoler si l'on veut qu'ils conservent leurs qualités essentielles. L'homme qui fait un trompe-l'œil se propose en effet de nous faire croire que les objets qu'il représente sont accrochés à une porte ou fixés au mur par des clous, des épingles ou bien par des punaises. Et censément, ce sont ces objets eux-mêmes que vous regardez. Et ils doivent tromper votre œil à tel point que vous éprouvez le besoin de vous approcher de la toile et d'y porter même la main pour vous assurer qu'ils sont peints. Ce sont de véritables tours de force qui exigent un talent infini, mais encore une fois, ce n'est pas de la peinture. Et parce qu'ils sont destinés à tromper, ils ne sont pas pris au sérieux alors que certains d'entre eux sont pourtant des chefs-d'œuvre. Celui-ci, c'est un grand peintre qui l'a fait, c'est Boilly. Et il est l'auteur de 23 trompe-l'œil connus. Celui-ci passe pour être le plus beau, le plus réussi de tous. Quant à moi, je le considère comme une véritable merveille, et c'est une des deux raisons pour lesquelles il figure dans ce livre. L'autre raison, je vous la dirai tout à l'heure. Mais d'autre part, on peut aussi ignorer quelque chose dont on connaît parfaitement l'existence et dont on sait tout à fait ce qu'elle est. Ainsi de la femme qui ignore absolument les regards transis de désir que lui jette son voisin de table, ainsi de l'enfant qui, tout en sachant la règle qu'il est interdit de copier, l'ignore en regardant par-dessus l'épaule de son voisin pour remplir son devoir qu'il n'a pas appris. C'est là, au contraire de la première, une ignorance par faux semblant, par excès, d'une certaine manière une ignorance avertie, qui en vaut deux si l'on veut. C'est ignorer ce que l'on sait pertinemment. La première ignorance ressortit d'une certaine innocence, la seconde d'une certaine duplicité. L'une ne se connaît pas, l'autre si. La première ignore qu'elle ignore, la seconde, en revanche, n'est pas sans l'ignorer. Quand Sacha Guitry, dont il ne faut pas oublier qu'il a été une sorte de cancre, redoublant 10 fois sa 6e, car elle s'était fait renvoyer autant de fois d'autant de collèges, quand Sacha Guitry donc dit qu'il doit le peu qu'il sait à son ignorance, c'est bien sûr d'abord au premier sens qu'il faut entendre cet énième paradoxe guitryen. Et certainement son cinéma s'est nourri et enrichi de sa capacité renouvelée à n'avoir rien su ou presque rien su de ce qu'il convenait de faire au cinéma. Au cinéma tel qu'il avait préexisté jusqu'aux années 30, jusqu'à ce qu'il soit enfin doué de parole. Mais aussi par ignorance, il faut penser au titre d'un article assez fameux, quoique assez ignoré, paru en 1959 dans les Cahiers du cinéma et signé Michel Mourlet, car cet article s'intitulait « Sur un art ignoré ». Je ne reviens pas sur ce qu'on sait sans doute, la polémique auquel il donna lieu, qui avait débouché sur la mise à l'écart d'Éric Rohmer, qui dut quitter son poste de rédacteur en chef de la revue, et je rappelle que c'est dans cet article que se trouve une phrase célèbre, mais célèbre au prix d'un oubli ou d'une attribution erronée. Cette phrase la voici, exactement citée. « Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs. » Je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchard. Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée.
Les décors ont été exécutés par Gerd et par Ménessier, et c'est Malraux qui les meubla. Quant à mes interprètes, les voici. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Quand Mourlet a écrit son article, voilà près de 30 ans que le cinéma est devenu parlant, et 2 ans précisément que Sacha Guitry est mort. Or, ce débat, ainsi animé par Mourlet, du point de vue assez rare et inorthodoxe d'un procureur qui attaquait les grands noms, les tenants artistiques du cinéma le plus éminent de l'époque, Visconti, Fellini, Bergman, etc., avait déjà eu lieu des années auparavant, aussitôt l'arrivée du parlant, aussitôt les années 30. Je ne sache pas que Mourlet avait lu les écrits de Marcel Pagnol sur le cinéma. Or, c'est bien à lui, à Marcel Pagnol, que l'on doit de s'être le tout premier bravement jeté dans la mêlée, petit soldat ou Don Quichotte à l'accent marseillais, qui a mené un combat salutaire dès la naissance du cinéma parlant, c'est-à-dire dès que cette forme nouvellement arrivée fut combattue, âprement, férocement, par les tenants du cinéma existant, c'est-à-dire du cinéma muet. À le lire, Pagnol eut sans exagérer le coup de foudre pour le cinéma parlant. Il y vit tout de suite une chance inespérée, la forme totalement inédite et enfin réalisée de pratiquer l'art dramatique. À tel point qu'il quitta avec armes et bagages le théâtre, où pourtant sa renommée et son succès étaient exceptionnels, immenses. Des pièces comme Marius ou Topaz tenaient alors, je le rappelle, l'affiche au théâtre depuis plus de 2 années. Je suis né à Pingolade, petit village bien joli de Vaucluse, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va Vertillac en quittant Cavaillon. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait, bon an mal an, 5000 francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu 2 enfants. Elle eut avec mon père un fils et 4 filles. Mon père avait sa mère, ma mère avait son père. Ils étaient quittes, si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd-muet. Nous étions 12 à table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Un plat de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous. 2, 4, 6, 8. Dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, « Lui, ce que tu as volé, tu seras privé de champignons. » En 1927, à l'arrivée du parlant, le cinéma avait 30 ans à peu près. 30 ans, âge suffisamment adulte, durée d'existence assez longue, pour que l'on crût un peu partout que l'expression cinématographique était une affaire entendue, qui avait trouvé son langage et ses conventions une bonne fois et désormais, enfin qu'il n'y avait pas, sous prétexte de l'intervention de ce petit détail de l'enregistrement sonore, à remettre tout en question. À la fin des années 20, donc, l'arrivée du parlant fut très loin d'être accueillie avec enthousiasme, liesse et cris de joie. Au contraire, et ce pour tout un faisceau de raisons, techniques, commerciales et esthétiques. Il y eut même un temps assez long durant lequel certains crurent que le film parlant ferait long feu et que le cinéma muet, le vrai, le seul, le pur, reprendrait ses droits absolus et définitifs. Le débat de l'époque, c'est très amusant comme 80 ans plus tard, aujourd'hui, il demeure sensiblement identique et emploie les mêmes termes. C'était la querelle des tenants du cinéma pur, on disait aussi le cinéma-cinéma, en opposition violente avec ce que cela appelait en ricanant « théâtre filmé » ou « théâtre en conserve ». À la différence de Pagnol, Sacha Guitry, lui, n'a jamais vraiment cherché à théoriser quoi que ce soit du cinéma. Il eut bien entendu quelques pensées, justes et profondes, souvent dans la mise en regard du cinéma et du théâtre, mais il réalisa ses films sans éprouver le besoin d'affirmer par un raisonnement son bon droit à faire comme il faisait, sans se justifier d'aucune façon. Et il est certain que pour lui, faire du cinéma aura été comme une continuation du théâtre par d'autres moyens. Et peut-être que sans le savoir, et l'ignorant donc, c'est bien lui, Sacha Guitry, qui mit en pratique les idées de Pagnol, plus encore que Pagnol lui-même. Après une nuit sans histoire, mais où la plupart des filles rencontrées servirent de repoussoir à ma cavalière, l'heure et l'excitation de l'insomnie aidant, je me laissais aller à brusquer légèrement le cours des choses. La voix off, qui est partout ou presque dans le cinéma de Guitry, et qui toujours est la voix de Guitry, depuis ceux de chez nous que Guitry et sa femme Charlotte Lizès commentaient devant l'écran en direct pendant la projection des images muettes, cette voix off a cette épaisseur documentaire, oui, cette présence perceptible, presque tangible, qui est la seule présence dont on ne peut mettre en doute la véracité, l'authenticité. On peut douter des faits historiques ou biographiques que Guitry nous rapporte, il en convient lui-même, mais on ne saurait mettre en doute une chose essentielle, la vérité du conteur.
En d'autres termes, moi, Sacha Guitry, je vais vous raconter une histoire, et vous raconter des histoires sans doute, oui. Mais soyez bien assurés que c'est bien ma voix réelle que vous entendez, cela n'est pas discutable, et il vous suffira alors, cher public, de me croire sur parole. Très beau. Voici à très peu beau. Près l'adresse constante de Guitry à son spectateur à chaque film. Oui, il faut voir et admirer comment la scène est découpée, comment la saute d'axe est soudain amenée pour isoler la femme désirée, l'accaparer, transformer la scène à trois en voluptueux tête-à-tête entre la femme muette et lui, Sacha Guitry, parlant, si pour la faire sienne. Ligne, me disais-je, victoire de la parole, victoire du cinéma parlant sur le muet, c'est fait, Guitry, en laissant courir sa voix en off sur le visage de la femme désirée et muette, la possède déjà. Un très beau médaillon, un bel amour, où le moment présent soudain s'annule, ou plutôt se suspend, dans le temps ramassé en une seule phrase qui mêle sensuellement le passé au futur, nous étions deux, demain. Et puisque, comme l'a toujours bien compris Sacha Guitry, les fins les meilleures sont les plus courtes, en conclusion, vive les romans d'amour et d'aventure, vive le cinéma parlant et vive le théâtre filmé. Au retour, nous avions décidé d'aller nous baigner dans notre crique habituelle. C'est là que je voulus m'assurer, à mes risques et périls, de la solidité de ma construction. Tu sais, Daniel, dans le fond, il est très facile à ravoir. Ne m'intéresse plus. Infiniment au-dessus de tout ce que tu as pu rencontrer. Peut-être que tu as raison pour ici. De toute façon, ce sont mes affaires. Oui, mais que vous soyez en froid, ça me dérange. Ce genre de situation m'amuse. Un bonheur sans nuage, quelle tristesse. Pour une fois que tu as la chance d'être aimé par un être exceptionnel... De quoi te mêles-tu ? Écoute, je suis venu pour vivre dans la paix, et tu la troubles. Si chacun vit pour soi, je ne la dérangerai pas. Pour un cinéma parlant. Le cinéma a mis plus de 30 ans à apprendre à se passer de la parole. Il est normal que depuis 18 ans, il n'ait pas encore trouvé le moyen de s'en servir. Je veux parler de la méfiance que les meilleurs réalisateurs éprouvent en général à l'égard de ce pouvoir du langage qui lui est essentiel, celui de signifier. Si le parlant est un art, il faut que la parole y joue un rôle conforme à sa nature de signe et n'apparaisse pas seulement comme un comportement sonore privilégié en regard des autres, mais d'importance secondaire par rapport à l'élément visuel. On se baigne. Le sommeil. Il n'y a eu en somme jusqu'ici, on peut le dire sans exagération, que du cinéma sonore. L'erreur des cinéastes de 1930 fut de croire que seul était important le problème du traitement cinématographique du son, que la solution du problème de la parole, qui se posa en second lieu, introduire à l'intérieur d'un art d'expression visuelle ce mode autonome de signifier qu'est le langage, pouvait être obtenue à titre de simple corollaire à la solution donnée au premier. Tous les efforts par la suite allèrent dans le sens d'un affaiblissement de la puissance propre du mot. On s'aperçut très vite qu'il était son avant d'être signe, et l'on admit, conséquence immédiate, que la parole devait être traitée comme façon d'être, non de révéler. C'est d'une façon tout autre, à notre avis, que doit s'établir le rapport entre l'élément visuel et la parole. De nombreux films déjà font entrevoir comment le langage pourrait enfin retrouver sa fonction véritable, et ce sont précisément ceux qui, depuis près de 10 ans, jalonnent la ligne d'orientation vers une nouvelle conception du découpage. Ce n'est peut-être pas tant les dialoguistes qui devraient être mis en cause que les réalisateurs eux-mêmes, qui, considérant trop souvent les phrases qu'ils faisaient prononcer aux acteurs comme une matière indifférente, ont mis toute leur ingéniosité dans la recherche des angles de prise de vue ou l'établissement d'un rythme subtil dans les passages du chant au contre-chant. L'art du réalisateur n'est pas fait pour faire oublier ce que dit le personnage, mais tout au contraire pour nous permettre de ne perdre aucune de ses paroles. Le meilleur dialogue de Cocteau est celui des Dames du Bois de Boulogne, comme le meilleur de Prévert avait été le Crime de Monsieur Lange, parce que Bresson et Renoir ne leur ont laissé écrire que ce qui est essentiel à la compréhension du film, je ne dis pas de l'anecdote. Avec l'emploi du plan fixe, une telle exigence devient de plus en plus évidente, et le point faible de Citizen Kane est que la parole y est encore traitée beaucoup trop comme bruit. Au contraire, dans La Splendeur des Ambersons, que je considère comme supérieure,
La moindre parole porte, parce qu'elle nous révèle un aspect du personnage qui, du fait du mode de récit adopté, nous était encore inconnu. On ne ment pas assez souvent au cinéma, sauf peut-être dans les comédies. Rien n'empêche d'ailleurs de considérer les films de René Clair, de Lubitsch, de Capra comme les plus valables qui aient été réalisés de 30 à 40, les rares œuvres qui ne nous fassent pas inévitablement éprouver la nostalgie du muet. Pour affaiblir ou contrôler la puissance redoutable de la parole, il ne faut pas, comme on l'a cru, en rendre la signification indifférente, mais trompeuse. Au théâtre, on ne ment jamais. Je veux dire que dans la tragédie ou la comédie, la parole n'est à aucun moment simple moyen d'action sur les autres et vaut toujours par elle-même, ou si l'on préfère, hors du temps. Nulle place pour cette ambiguïté propre au dialogue de Dostoïevski, de Balzac ou de Faulkner. Au lieu que nous la retrouvons dans les meilleurs films réalisés depuis 10 ans, La règle du jeu de Renoir, Les dames du bois de Boulogne de Bresson Cocteau, l'œuvre de Preston Sturges, certains films policiers américains tels que Le faucon maltais de Houston Hammett ou Le grand sommeil de Hawks Faulkner. La différence qu'on peut établir entre le cinéma et le théâtre ne repose donc nullement sur l'importance respective qu'ils accordent chacun à la parole. Nous avons sur les cinéastes de 1930 l'immense avantage de ne plus être hantés par le spectre du théâtre filmé, et il est désormais possible de porter toute notre attention sur le problème essentiel. Écrire des dialogues vraiment faits pour le film dans lequel ils doivent prendre place, ce qui suppose, de la part du dialoguiste, une connaissance parfaite du langage visuel au moyen duquel le réalisateur veut s'exprimer, et chez ce dernier, lorsqu'ils ne sont pas, comme il serait souhaitable, une seule et même personne, la volonté de considérer la parole comme partie intégrante de son œuvre. On ne peut dire qu'il y eut jusqu'à ces dernières années un véritable style du cinéma parlant. On s'était contenté d'adapter plus ou moins habilement des procédés employés à l'origine pour suppléer à l'absence de la parole. C'est à constituer un tel style que, malgré toutes les difficultés matérielles, doivent être employées les recherches d'une avant-garde digne de ce nom. Il y a déjà trop longtemps que nous attendons qu'on nous prouve que l'ère du parlant a commencé. Maurice Scherrer, alias Éric Rohmer, Les temps modernes, septembre 1948. Vous êtes déconcertant, je n'arrive pas très bien à vous situer. Mais écoutez, ça fait pourtant 2 semaines qu'on se connaît. Hein. C'est peu, dans votre cas. Eh bien, pour moi, c'est assez. Non, mais je vais vous aider. Est-ce que je corresponds à votre type de femme? Je n'ai pas de type. Bah, on en a tous plus ou moins. Ouais, quand on est jeune, à mon âge, ça ne veut plus rien dire. Je cherche une femme avec qui j'aurais du plaisir à être. Ça ne peut pas se trouver en 2 secondes. Eh bien, moi, figurez-vous, je crois au sentiment immédiat. Je sais, vous, la première fois que vous m'avez aperçue au restaurant, vous n'avez même pas pensé que je pouvais être celle que vous attendiez. Ça veut dire que je ne correspondais pas à l'image que vous étiez faite. Je ne m'étais fait aucune image. Simplement, je m'attendais à une femme moins élégante. Moins grande. Non, pourquoi? Parce que je suis plus grande que la moyenne. Ben, c'est très bien. En général, vous aimez les femmes plus petites? Ben, je vous dis, je n'ai pas d'idée générale. Bon, alors, les femmes que vous avez eues, étaient-elles aussi grandes que moi? Non, aucune. Alors, vous les trouviez pas trop petites? De même que je ne vous trouve pas trop grande, je ne vois pas très bien à quoi sert cet interrogatoire. Ben non, mais laissez-moi faire. Bon, vous verrez. Préférez-vous les brunes? Je les préfère. Et je les épouse. Ma femme était brune. Et les yeux bleus? Est-ce que vous préférez les yeux bleus? Oh, vous allez finir. Non, mais c'est important. Si vous voulez savoir, je n'ai connu jusqu'ici que des brunes aux yeux noirs. Je pourrais avoir envie de changer. Mais pour être tout à fait franc, je me sens peut-être moins à l'aise avec les yeux bleus. Je n'aime pas les nordiques. Mais vous n'avez rien du nordique? Tout ça, je vous dis, n'a absolument aucune espèce d'importance. Mais pour moi, si. Moi, j'aime qu'on m'aime d'emblée. Mon mari m'a aimée d'emblée, avec ma taille, mes cheveux, mes yeux bleus. Et sachez-le, bien, il continue à m'aimer comme au premier jour, après 24 ans de mariage. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Votre mari, il est mort, vous m'avez dit. Je vous ai menti.
Le Rayon Vert est un film sans scénario écrit. Je ne dis pas qu'il est sans scénario, il y a toujours forcément un scénario, mais rien n'a été écrit. Tout a été improvisé. C'est-à-dire. Et j'ai donné aux acteurs des indications extrêmement vagues, générales. C'est-à-dire. Je n'aurais pas dit « il faut dire ça, il faut dire ça ». Non, pas du tout. J'aurais dit « la situation est la suivante » et parlé comme la situation le demande. Alors, je vais dire une chose également. Le cadreur, la cadreuse, n'est pas celle qui est ici dans la salle. Elle s'appelle Sophie Maintigneux. Et c'était la première fois que je travaillais avec elle. Alors, cette scène n'a pas été tournée la première. Mais dans la scène qui a été tournée la première, dans une scène dialoguée et improvisée, de Marie Rivière, dans sa propre famille, j'avais été effrayé de voir comment elle filmait. J'avais été effrayé. C'est-à-dire qu'elle quittait les personnages au moment où j'aurais aimé rester sur eux. Et puis, je me suis dit, après tout, elle a peut-être raison. Enfin, qu'elle fasse comme elle veut. Et laissons-la faire. Puisque c'est un film d'improvisation, laissez-la improviser. Et en fin de compte, j'ai trouvé ce qu'elle fait, qui est très différent, Diane Baratier s'en rendra compte, de ce que Diane pourrait faire, qui est beaucoup plus proche de ce que j'aimerais, est intéressant, parce qu'elle quitte parfois les personnages. À des moments, on n'aimerait pas les quitter. Oui. Mais en fin de compte, on a autre chose. Et puis, elle y revient de toute façon. Donc, ça prouve également qu'au cinéma, il ne faut parfois pas trop que le metteur en scène dirige trop absolument de près et qu'il laisse parfois non seulement les acteurs, comme c'est le cas ici, d'accord, tout à fait, mais aussi les techniciens improviser. Voilà, c'était, voilà la leçon qu'on peut dire, je crois, de cette séquence. Et effectivement, le langage est tout à fait différent, enfin, la façon de parler est tout à fait différente. On peut pas, c'est un texte qu'on ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire, parce que les personnages parlent en même temps, ils se chevauchent les uns les autres, ça ne peut être que de l'improvisation. On ne voit pas ce que ça devrait écrire. Mais ce que je crois avoir réussi dans ce film, c'est d'avoir laissé les gens parler en connaissant à peine le sujet, oui, c'est-à-dire à faire une improvisation absolue, et en même temps rester toujours dans le sujet. Parce que là, on parle évidemment ce qui est l'essentiel. Évidemment, je ne sais pas si je pense que les personnages qui sont là, que les personnes qui sont là plutôt, ont vu l'ensemble du film, mais parce que cette scène, évidemment, prend toute sa valeur lorsqu'on connaît ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Peut-être très intéressant pour toi d'entrer dans ce monde-là. Oh, je te crois. Et c'était mon rêve. Seulement voilà, pourvu qu'on m'y laisse entrer. Laisse-moi faire. Ah tiens, pendant que j'y pense, mets donc ma carte dans ton sac. Je me débrouillerai plus facilement que toi. Tiens, en voilà un. Une seconde, s'il te plaît. Vous êtes le premier. Non, vous devez avoir chacune votre carte. Je vous jure que je suis modèle. Oui, vous, je le vois bien. Mais votre petite amie, non. Non, elle, ce n'est pas un modèle. Comment, mademoiselle, n'est pas un modèle? Alors qu'elle a l'air d'un exemple. Eh bien, si, justement, elle est un modèle. Elle est en train de poser pour moi en ce moment. Sans qu'elle le sache. J'ai sa carte dans ma poche. Puis-je vous demander votre nom, mademoiselle? Catherine Collet. Vous habitez 27 impasse du cadran. Mm-hmm. Dites-moi, est-ce que vous avez le téléphone? Oui. Oui, il a un numéro? Montmartre 0572. Vous habitez chez vos parents? Oui, chez ma grand-mère. C'est pas la peine de mettre tout ça, vous savez. Merci. Est-ce que je puis me permettre, mademoiselle, de vous téléphoner demain matin? Oh, oui. Vers 11h? Oui. Je le ferai sans faute. Voici votre carte.
Puis si vous voulez me le permettre, voici la mienne. À demain. À demain, vous êtes chez vous. Prima le parole, dopo la musica. Prima la musica, dopo le parole. Gewahrter Ce qui fait ma particularité, on va presque dire mon originalité, enfin, il y a deux choses qui font ça et qui distinguent mes films. Enfin, à première vue, je vous le dis, parce que quand je vois des téléfilms, je me dis après tout, est-ce que mes films sont mieux? Bon, il y a deux choses qui sont mieux. D'une part, qu'il n'y a pas de musique. Bon. Et la seconde, c'est que les discussions sont longues. Et je pense que le fait qu'une parole est longue donne un ton, un style, contrairement à ce qu'on dit, qui n'est pas radiophonique, mais qui est au contraire tout à fait cinématographique. Mais. Il y a plusieurs sortes de façons de parler dans mes films. Il y a d'abord la conversation. Bon, alors à ce moment-là, j'avais écrit un article, d'ailleurs, un de mes premiers articles qui avait paru dans les temps modernes, qui était d'ailleurs dans le recueil qui a été publié ensuite, dans lequel je dis que la différence entre le dialogue de théâtre et le dialogue de cinéma, c'est qu'au cinéma, le dialogue est toujours menteur. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, un dialogue de cinéma n'atteint jamais la vérité. Alors qu'au théâtre, on peut penser qu'il atteint la vérité, il atteint une certaine vérité. Bon. Antigone, dans Antigone, par exemple, la vérité est atteinte dans le théâtre grec, si vous voulez. Et si elle n'est pas atteinte dans Oedipe, par exemple, c'est parce qu'il y a une malédiction qui tombe sur le dialogue, qui ne devrait pas être menteur, mais qui l'est, malgré tout. Et ça, c'est le tragique grec. Bon. Et alors, il y a aussi, dans mes premiers contes, dans les contes moraux, une voix hors champ, une voix du personnage principal, qui ne dit pas non plus la même chose que ce qu'il dit lui-même et ce que dit l'image, si vous voulez. Donc, la vérité, où est-elle ? Rien à voir, une émission d'Hélène Frappin réalisée par Angélique Thibao. Avec Éric Romer, Enrico Ghezzi et Camille Nevers. Vous avez entendu des extraits du Rayon Vert, Conte d'automne et La collectionneuse d'Éric Romer. Donne-moi tes yeux, le roman d'un tricheur, Désiré et les 100 merveilles de Sacha Guitry. Que la bête meurt de Claude Chabrol, Illusion perdue d'Ernst Lubitsch, Musicanten de Franco Battiato. Merci à Bernard Benoliel et Pauline Gaillard. Prochaine émission, le 4 février 2008.